Bien. Alors, tout d'abord, un élément purement lié au temps qui se déroule, qui se déplie, comme on veut. On a parlé longuement, bon, déjà dans le premier ou deuxième satsang, entre la jambe gauche et la jambe droite. Vous vous rappelez, on avait parlé de la correspondance et Sephiroth, et déjà depuis plusieurs mois, il y en a qui souffrent de la jambe droite, d'autres de la jambe gauche, et on a tous plus ou moins des problèmes à 80% à droite et 20% à gauche, qui étaient liés à la fusion, si vous voulez, ce qu'on appelle les polarités. Là, les deux. Je vous sors, là. Maintenant, alors ça se synchronise. Hein. J'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule. J'ai mal à la hanche, j'ai mal à la cheville. T'attendras à casser les volcans. Oui, donc on avait parlé de cette notion de polarité, je crois, hier, hein, par rapport à l'anomalie primaire, qui est inscrite dans chacun, si mes souvenirs sont bons. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux jours? Vous avez d'ailleurs remarqué certains. C'est qu'au lieu de sentir les flux vibraux pour ceux qui les sentent dans les jambes, on le sent entre les deux jambes. Oui. Hein, vous êtes d'accord, on sent quelque chose qui est entre les deux jambes, qui est le pilier central, comme je l'ai dit. Ce pilier central est un tube de lumière qui va depuis sous les pieds, c'est-à-dire le royaume, Malkout, jusqu'à au-dessus de Keter. Et il passe par l'axe central. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans le canal de l'éther, qui est le nom qui avait été donné à la Shushumna quand les énergies de l'Esprit Saint descendaient au fur et à mesure des années, depuis les années 80, dans le dos, puisque là, il y a eu d'abord l'onde de vie qui est remontée en 2012, pour certains, et maintenant, ce qui remonte, ce n'est plus l'onde de vie. On l'avait expliqué, il y avait trois types d'ondes de vie, mais il y a aussi deux types de flux vibraux qui partaient du gros orteil, respectivement, pour venir au pli de l'aine, et puis d'autres qui partaient de dessous les pieds, sur la même zone que la source jaillissante, c'est-à-dire que l'onde de vie au niveau du premier point du méridien du rein, et qui remontaient par l'arrière pour passer par les portes des hanches et venir au niveau du sacrum. C'est à ce niveau-là qu'on était tous porteurs du déséquilibre gauche-droite, masculin-féminin, de par la polarité sexuelle, mais aussi par l'anomalie primaire. L'anomalie primaire qui est partie, je vous le rappelle, le 7 mai entre 21h30 et 22h, et qui a permis de synthétiser en quelque sorte cette dualité d'opposition en une dualité de complémentarité. C'est-à-dire qu'on est passé du yin au yang séparé au yin et yang unifié. Donc ça a donné ce que je vous ai fait lire hier sur le témoignage de la fille d'Elfried, quand elle a décrit qu'elle passait dans un tube de lumière, qu'elle a passé, elle, par la Jérusalem céleste. Mais bien évidemment, vous comprenez bien que ce sont des images qui sont liées aux archétypes, mais que le cerveau traduit comme il peut. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux jours et qui va se passer de façon de plus en plus extensive pour tout le monde? C'est la réunification des deux flux latéraux. C'est donc l'installation de ce qu'on appelle le tube métatronique qui vous fait passer par la Jérusalem céleste, par le cœur, et ensuite en remontant jusqu'au sommet du crâne et en sortant par le septième chakra et en allant jusqu'au Vajra, la fontaine de cristal, recrée en vous Métatron. Donc, dès que cette structure est activée, vous devenez Métatron. Comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas l'exclusivité de quelqu'un, comme Abba. Quand je vous dis que vous êtes tous Abba, nous le sommes réellement et concrètement tous. Je pense que dans les satsangs d'Abba de l'après-midi, c'est affreusement clair, et ça nous est donné à vivre dans la chair et dans l'énergie, puisque quand vous avez installé ce tube métatronique, puisque le lemniscate sacré est activé, puisque la tête a relié le cœur et que le cœur a relié la tête, tout est achevé pour vous. Hein? Il n'y a plus qu'à profiter de la vie et laisser les choses se faire. Hein? Ça, c'est important, et je parle en particulier pour des frères et des sœurs qui voyagent beaucoup, même un peu trop maintenant, parce qu'ils sont en train de se consumer littéralement. Hein? Brigitte ne peut pas venir. Il faut arrêter maintenant. Arrêter de voyager, puisque tout peut se produire maintenant dans cette chair. Et d'ailleurs, hier soir, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand on parle d'amour nu, bien évidemment, quand vous avez libéré l'emprise de la tête, je vous l'avais dit, les 12 étoiles de la tête viennent se placer sur le front, c'est l'onction du Seigneur, on vous a remis la pierre bleue qui est devenue verte au niveau du front, et à ce moment-là, vous fonctionnez d'un bout à l'autre de toutes les consciences fragmentées en unification, et vous repassez par le dernier archétype qu'a décrit Maud hier soir, c'est-à-dire le passage... La réunification par Métatron, on a rembobiné le film, et vous sortez face au trône.
Alors bon, ce trône, vous allez voir un trône entouré des quatre vivants, mais chacun va le voir à sa façon, avec son décor et ses images. Mais l'archétype est le même. C'est-à-dire que Métatron vous conduit au Père et vous fait découvrir que vous êtes le Père. C'est aussi simple que ça. Hein? Et quand vous réalisez ça, bah, vous pouvez dire en vous-même, effectivement, tout est accompli, parce qu'il n'y a plus rien à activer, il n'y a plus rien à attendre, si ce n'est demeurer là, dans cet état de présence totale, où il n'y a plus seulement le paradis blanc, le paradis noir, des images, des archétypes, des scènes de vie passée, mais où il y a ce qui a été appelé l'évidence, qui, elle, se passe de mots, c'est-à-dire que vous pouvez dire, comme je le dis depuis le début, je suis toi, tu es moi, vu, vous vous voyez, au-delà de toute image, dans la première image, il va être, on peut voir un barbu, un vieux, peu importe, ça n'a aucune importance. Mais ce qui s'illustre à travers l'imaginaire et l'imaginal est vécu par l'intermédiaire de Métatron et Abba qui vous emporte au Père, afin que vous découvriez que vous êtes tout ça à la fois. Et une fois que ça s'est réalisé, c'est-à-dire dès que vous allez sentir ce flux qui touche les faces internes des cuisses, parce qu'il est assez large, hein, c'est un flux qui doit faire à peu près 10-15 cm, tout ça est réunifié. Vous avez réuni effectivement et concrètement le 3 en 1 à tous les niveaux de votre présence comme de votre absence. Et à ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus d'obstacle aucun à la manifestation totale, pleine et entière du cœur. C'est ce que nous ont décrit dans le Bidi, dans Abba ou Bidi 4, non, Abba 4 avant-hier, avec Nathalie et Palmyra. Hein. Donc là, c'est ça qui se réalise. Et ça donne, même pour les gens qui ne perçoivent pas l'énergie ni la vibration, mais simplement la conscience, ça va donner quoi? Les rires et les larmes en même temps. Parce que quand il y a rire et larmes, vous acceptez l'évidence, vous riez de vous-même, vous riez du spectacle, et vous riez de tout. Il ne peut pas en être autrement. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, bien évidemment, je l'ai dit hier, mais ce n'est pas grave, vous êtes même pour des gens qui ont vécu l'absolu, dans le déni et la rage, parce que finalement le Père, il vous dit, on s'est bien marré, mais nous on s'est pas marré. Hein? Et même le Père a été obligé de s'oublier lui-même pour pouvoir le vivre. Donc le dernier face-à-face, la dernière traversée n'est pas le face-à-face avec soi-même, il l'a été, mais ce soi-même n'est rien d'autre que le Père, antérieur à toute création. Et quand vous arrivez là, ben, comme commence à vivre plein de frères et sœurs de partout, ben, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ou attendre d'autre? Vous êtes là, dans cet état d'évidence, et puis après, ben, vous faites ce que vous voulez. Hein? Donc cette dernière étape qui clôture en quelque sorte l'histoire, vous savez que depuis un mois, je dis on rembobine le film. Alors il y en aura qui en ont marre parce qu'ils ne rembobinent rien, il y en a d'autres qui rembobinent trop. Mais c'est inéluctable. Ça avait d'ailleurs été dit, hein, je vous renvoie encore aux canalisations d'Anna d'il y a 3 ans, où on, il y a 7 ans, pardon, où on parlait de ce rembobinage de film. Il était évident. On ne peut pas décréer sans repasser par toutes les étapes. Si je veux dire toutes les étapes, ça ne va pas être toutes vos vies, parce qu'on n'en finit pas. C'est simplement de passer à travers votre corps, par l'éclair, cette fois-ci qui n'est plus un trajet linéaire, mais qui est le trajet qui avait été illustré à la tête, le passage d'étoile en étoile, de gauche-droite, gauche-droite, le fameux éclair que j'ai porté au cœur de chacun et que maintenant se porte tout seul, il n'y a plus besoin de moi, puisque vous êtes tous la même chose. Hein? Donc, on dit « Abba, ok », mais il n'y a pas de différence. Hein? Ne voyez pas un sujet ou un objet ou une idée d'adoration, puisqu'on est venu casser toutes les adorations, même celle de Marie, qui était extrêmement importante, bien sûr, parce que c'est celle qui a initié la création. Hein. Donc, toutes ces histoires d'adoration, de saints extérieurs, d'archétypes qu'on traverse, c'est effectivement ne pas se prendre la tête et le cœur, ce ne sont que des jeux, des costumes qu'on retrouve, parce qu'ils font partie des archétypes, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Jusqu'à il y a peu de temps, et je vous l'ai même dit dans plusieurs 700, il y a le monde imaginaire, qui est faux, le rêve astral, et le monde imaginal, qui est le monde des archétypes, mais même ces archétypes ne sont pas les vrais. Et maintenant, j'ai l'explication, parce qu'à chaque fois que j'allais sur Altaïr, déjà il y a fort longtemps, je voyais tous les archétypes de la Terre, mais les objets, hein, pas les symboles, les objets qui, eux, sont là-bas. Et par contre, ces symboles,
qui sont quand même, qu'on appelle des archétypes, ont été à la limite de l'enfermement et ont joué un rôle dans l'enfermement aussi, à travers la projection extérieure dans l'adoration d'un dieu, comme je les appelle, c'est-à-dire d'un hideux. Ce ne sont que des hideux. Hein? Tous les dieux sans aucune exception. Il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de beurre en broche, il n'y a que l'amour, il n'y a que ça. Donc ça, c'était indispensable à retrouver, non pas pour être libre nous, puisqu'il y en a qui sont absolus depuis 8 ans, il y en a qui vivent cet absolu depuis longtemps, mais il fallait participer à la danse. Hein? Parce qu'on n'est pas seul, même si on est les uns dans les autres ils sont tous en nous, les mondes sont en nous, et si on ne traverse pas ça, ben on ne peut pas trouver non pas la clé, non pas la porte, mais l'évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de porte, il n'y a jamais eu de clé. Hein? Et donc tout ça se révèle maintenant à un niveau collectif, et du fait que depuis le 11, qui était la journée de l'élément eau, les eaux lustrales, les eaux d'en haut, qui ont fécondé la France et l'Europe, et d'autres pays d'ailleurs durant ces jours-là, n'ont fait que de permettre cette ascension intérieure, en quelque sorte, qui permet de réaliser que nous sommes réellement et concrètement à bas. Hein? Et donc il n'y a pas de différence entre celui qui a été la tête de pont et le dernier qui passera le pont. C'est exactement la même chose. Donc bien évidemment, et c'est là où je me suis opposé à certains dans l'Advaita Vedanta, je vous l'ai dit, qui étaient dans leur trône d'absolu, de rien, de néant, en disant non, non, les autres ils n'existent pas, il n'y a rien, il n'y a personne. Mais toi tu y es dans ce personne. Donc si toi tu es aussi tes personnes, les autres aussi sont personnes. Mais ils ne le savent pas. Donc comment on fait pour fermer le livre ensemble? Il n'y a pas d'autre solution que de saisir les consciences, et de faire un travail qui a été fait de façon magistrale, d'actualisation de toutes les clés, en un temps extrêmement court, pour ne pas être saisi par l'action-réaction de soi-même d'ailleurs, comme de tout autre. C'est la fin du rêve, donc la fin du rêve, elle doit éclater, même pour celui qui a vécu l'absolu, parce que le rêve n'a pas été retraversé en totalité. Et quand Bidji disait « je suis tout, je suis rien, je suis Dieu, vous ne le savez pas, moi je le sais », et qu'il avait dit « ni ceci, ni cela », je le répète aujourd'hui, il y a aussi ceci et cela. Vous ne pouvez pas prétendre être absolu en excluant même l'illusion, puisque l'illusion fait partie du rêve. Et tant que vous n'avez pas traversé votre chemin de croix, qui est rien d'autre que la branche verticale de Métatron, unie par la croix transversale que vous avez sentie, hein, qui vous traverse de gauche à droite ou de droite à gauche, au niveau des épaules, hein, ce n'est pas pour rien, j'en ai parlé à Vincent ce matin, mais vous savez qu'il y a une symbolique du corps qui illustre à la perfection le drame cosmique, puisque nous sommes non pas seulement à l'image de la source ou de Abba, puisque nous sommes Abba. Donc nous portons même à travers nos os, hein, d'ailleurs il y a un ostéopathe ce matin avec qui je parlais, Michel, qui me dit « ostéo, T'apostrophe, E-S-H-A-U-T » Je lui ai répondu « non ». Os, théo. Os, plus loin, théo. Hein, de T-H-E-O. Parce que l'os est, en médecine chinoise, le seul organe qui survit à la mort et qui est blanc. C'est le squelette, c'est sur lequel s'adosse la vie. Hein. Et on retrouve comme ça des clés qui ont été données par Annick de Souzenel, qui était une grande amie avec qui j'ai travaillé il y a 30 ans, 40 ans, dans la symbolique du corps humain. D'ailleurs, vous l'illustrez tous, regardez, même moi avec la paralysie des extenseurs de mon orteil, de mes orteils à droite, c'est la blessure, la faiblesse d'Achille, du tendon d'Achille, qui est lié bien sûr à porte-profondeur, précision et tout ça. Donc tout ce qui est vécu, aussi bien dans l'illusion jusqu'au plus haut, trouve, au-delà de ce qu'on appelle la goutte rouge et la goutte blanche des Tibétains, c'est-à-dire l'âme spirituelle et l'âme divine, hein, vous savez, qui sont sur le triangle de la Nouvelle Eucharistie, on va retrouver bien sûr l'os sacré, l'os primordial, le sacrum, sur lequel s'est impactée toute la création et que maintenant nous réunifions, puisque c'est un travail d'alchimie, comme ça a été dit maintenant, de nos terrestres. Hein, on clôture là-haut, on a délié au ciel ce qui était lié au ciel, notre ciel à nous individuellement et le ciel collectif, comme on délie ce qui était lié sur terre. Hein, c'est totalement conforme aux paroles de Jésus, c'est-à-dire ce qui était lié au ciel sera délié au ciel, ce qui est lié sur terre sera délié sur terre. Pour faire cela, il fallait que le ciel rejoigne la terre,
c'est fait maintenant. Mais avant cela, il a fallu que notre terre se dirige vers le ciel. Et ça, bah, c'est le livre doux à la bouche et amer au ventre. C'est aussi bien l'Apocalypse de Saint Jean que le Coran, que les 100 000 pages de canalisation qu'on a reçues. Hein. Donc ça, c'est très important, parce que là, c'est ça qui va nous rendre, qui va nous restituer, je dirais, à la copie conforme. La première copie de la source, qui est Métatron, qui a oublié, même s'il a pensé l'avoir fait, de créer au même niveau vibratoire que lui, la parèdre. Comme il était en premier éclair de manifestation, puisque Métatron c'est aussi l'éclair flamboyant, il a créé une parèdre, mais cette parèdre n'est pas apparue à son niveau, elle est apparue au niveau des Aliot HaKodesh, c'est-à-dire de la civilisation des triangles, au niveau du triangle de l'eau. Et l'impulsion créatrice qui est partie de la source de Abba, la source Métatron, Aliot HaKodesh, a été déviée à ce moment-là. Et les sphères planétaires, ce qu'on appelle les orbes qui ont été créées, dont le premier fut Sirius, bien sûr, tout de suite après Alcyone, cette Sirius portait déjà l'anomalie primaire. Donc, dès le départ de la création, les mères généticiennes, elle avait déjà oublié, puisqu'elle tombait de dimension en dimension, même dans la 21e dimension, c'est-à-dire la limite de l'anthropomorphisme avec les guides bleus de Sirius, ont oublié cela. Parce qu'il fallait qu'elle oublie. Mais cet oubli devait être réparé uniquement à l'ultime fin. Et il y avait un certain nombre d'étapes à franchir, puisqu'on nous a dit que la résolution des 7 super-univers se faisait sur cette Terre. C'est tout à fait vrai. Et c'est normal, puisqu'on est les seuls réellement et concrètement à contenir toute la création en nous. Cette clé, elle est dans notre ADN, elle est inscrite dans nos structures la plus pérenne, c'est-à-dire l'os. Vous savez, j'ai parlé à de nombreuses reprises que durant notre vie humaine incarnée, on passait par différentes portes. La porte de l'enfance, la porte de l'adolescence, la porte des reins, l'âge adulte, Job se ceint les reins, il devient un homme, il est fort. Et puis la dernière porte qui était au-dessus des étoiles qu'on a nommées bien et mal, ou attraction-répulsion, juste au-dessus, c'est la dernière porte, c'est la porte de la transcendance, c'est-à-dire le moment, comme les Chinois nous l'ont dit, et comme dans toutes les cosmogonies, où on repasse du ciel manifesté, le ciel postérieur, au ciel antérieur à toute manifestation, comme avant, hein. Et il fallait effectivement s'identifier, parce qu'ils sont réellement ce que l'on est, passer toutes les portes, toutes les étoiles, tous les rêves, pour enfin retrouver l'unité réelle au sein de ce corps, qui ne peut être réalisé que par Métatron. Et ensuite, fusionner avec le trône du Père, qui à ce moment-là réalise non seulement la libération collective, mais du coup, vous l'avez compris, une ascension collective à laquelle aucun ne pourra se soustraire. Ça, c'est l'accomplissement du plan de la fin, non pas du temps, mais la fin de tout espace. Hein? Donc, ce qui a été appelé la dissolution du rêve de la création, qui est décrit d'ailleurs dans toutes les traditions. Hein? D'ailleurs, même dans les livres qui ont été falsifiés, tous d'ailleurs, mais même dans le Coran, c'est écrit, hein, quand il prie Allah, Allah, c'est l'inversion de Al. Mais cette inversion de Al, elle n'est pas satanique. Elle est celle qui renvoie, comme nous avons vécu l'inversion du triangle de feu ici. De la même façon, nous vivons en ce moment le retour du sacré au cœur. C'est-à-dire que nous quittons la matière qui est redevenue sacrée parce que le sacrum s'est allumé, non pas par les énergies du serpent, c'est-à-dire du falsificateur, mais par l'énergie de l'éther. Puisque l'éther a fécondé le canal de l'éther déjà depuis 1984, hein, puisque les premiers qui ont vécu l'activation des nouveaux corps et tout, ça remonte à cette année-là. Hein, donc ça fait quand même 34 ans maintenant. C'est quand même très long. D'autant plus que maintenant, bah, vous le voyez en vous, autour de vous, la consommation de l'illusion touche bien évidemment le corps, puisque vous voyez, dès qu'on est allongé, maintenant, la plupart, instantanément, les picotements, l'engourdissement, peu importe les noms que vous mettez, vous prennent tout de suite. Hein? Ça a commencé par les pieds ou par la tête, ça dépendait des gens. Et là maintenant, d'emblée, ça prend tout le corps. D'ailleurs, c'est ce que hier, quand je suis venu te soigner hier soir,
avec Hello, tu as bien senti d'un coup que ça a pris tout le corps. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de devenir toi dans ton cœur, parce que ça s'est fait, mais simplement de te révéler Métatron et le Père, ouvrant la voie royale, exactement comme l'a décrit la fille d'Elfried dans son témoignage absolument remarquable. Elle le vit, je ne lui ai pas dit, elle ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas important. Rappelez-vous, la compréhension vient après le vécu, jamais avant. Ne pas mettre la charrue avec les bœufs, comme je l'ai dit, on est dans un espace. Ne pas mettre les... Et j'ai dit quoi ? Avec. Alors on les met avec maintenant, en même temps. C'est pas grave. La charrue sur les bœufs. Voilà, donc après je vais vous laisser la parole pour les questions, mais ça c'était important à dire, parce que même sans le comprendre, c'est vécu. La compréhension, c'est juste le bonbon qu'on peut donner après pour ce qui reste de mental. Hein. Mais l'important, c'est de le vivre. Hein. Que ce soit par la vibration, par les images, par la conscience nue, par l'amour nu, ou simplement dans ce corps, afin de réaliser maintenant la transsubstantiation finale. C'est pour ça que les 12 étoiles, et quand on dit que l'onction du Seigneur est « laver vos robes », se réalise dès que les 12 étoiles sont rassemblées à l'avant du front. Alors pour ceux qui ont été sensibles, vous avez dû remarquer qu'à un moment donné dans le mois de mai, vous avez reçu une espèce de poids sur les épaules qui pouvait faire même mal au cou. Hein, c'était à la fois la croix du Christ, mais surtout le manteau de Marie. Or, le manteau de Marie, pour l'instant, on le sentait à certains moments dans le canal marial quand Marie arrivait. On l'a senti aussi quand on pratiquait le yoga de l'unité avec la bénédiction de Michaël, où on sentait ces frissonnements qui arrivaient partout. Sauf que là, le manteau, il est pesant. Donc, ça a donné quelque chose qui est venu enserrer la face externe des la partie externe des clavicules entre l'avant et l'arrière. Les clavicules qui sont les petites clés du sacrum. Donc vous avez ouvert la porte du sacrum, du sacre et du sacré, vous-même, comme des grands. Vous avez dit oui, parce qu'il n'y a que vous qui pouviez le faire. Et là, vous le faites spontanément, depuis 2 jours, de partout. Donc ça prouve bien, quand je disais qu'il y aura cet audio en direct, c'est la première fois qu'on sera réellement relié en direct sur toute la planète, ça n'a jamais été le cas, hein. À part les 700 de 2013, il y en a eu quelques-uns, mais ça, il n'y avait pas encore la vibration, la conscience qu'il y a maintenant, même en étant libéré vivant à l'époque. Hein. Donc, bien évidemment, vous doutez bien que le temps zéro, qu'est-ce que c'est ? C'est uniquement mettre en face tous ceux qui vont écouter. Qu'on soit 10 000, qu'on soit 10 millions, ne changera rien à l'affaire. En plus, ce jour n'a pas été calculé, ça s'est proposé comment ? J'ai pas réfléchi en disant on va faire ça le 14 ainsi cela. Non, sur le plan pratique terrestre, on ne pouvait pas le faire avant, parce que le matin, Louis, il dort au Canada, et puis que le Brésil dort aussi, et qu'on a dit, bon, on le fera un soir. En plus, je dis, on fait rien, on fera des trucs demain, mais on fait rien, on n'est pas aussi pris que là. Ça permettait de faire les réglages du direct. Et on s'aperçoit de quoi ? Que ça tombe le 14 juin, le lendemain de la nouvelle lune, et le jour est quasiment à l'heure de la fin du ramadan, comme par hasard. La fin du culte. La fin de tous les cultes, sans aucune exception. Donc le temps zéro, il est réalisé sur Terre, demain à 22h, à partir de 22h. Bien, après, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde ou l'événement. Ça veut dire qu'après... Comme chacun a sa ligne temporelle de rêve, ici même, il va pouvoir rembobiner le film avec évidence, sans le refuser, sans le déni, sans la colère, mais dans l'acceptation pleine et entière, parce qu'il aura révélé Métatron et Abba. C'est tout. Donc, à partir de là, quand vous comprenez ça et que vous savez ce que sont les eaux, le sacrum, on dit les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, mais il y a aussi les eaux de ce corps, qui ne sont pas les os qui circulent, mais qui sont les os qui figent, c'est-à-dire l'os. Hein? Et l'os est extrêmement important dans plein de traditions. Même le nom des os est signifiant, bien sûr. Clavicule, la petite clé, qui ouvre à la fois les portes du ciel et qui donne l'autorisation au sacrum de s'installer dans le cœur. Et après, de fusionner avec le trône. Le trône n'est rien d'autre que ce qui a été appelé l'Ain Sof Haor, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la couronne. Hein. Il n'y a pas besoin de connaître la signification des mots, puisqu'il faut le vivre avant, et que tant que vous voulez
comprendre avant de vivre, vous ne pouvez pas être comme avant. Kohom avant, c'est-à-dire avant la création. Parce que la création n'est pas née d'une compréhension. Jamais. Elle est née de l'intelligence spontanée, de la vie, de l'amour et de la lumière, c'est tout. La vie s'agence d'elle-même, bien sûr, sauf dans ce qu'on a appelé le bout du rêve, le bout de bout du bout du rêve, qui sont les mondes carbonés. Et d'ailleurs, dans le soin qu'a vécu Maud, elle le décrit à la perfection. Au début du soin, je la sors de son corps, elle voit l'archétype de son corps qui est un corps de charbon noir, comme la première lave qui est sortie d'Hawaï. Et au retour, avant de rentrer dans son corps, elle a vu quoi ? Son corps de cristal. Elle a vu son corps de transparence, son corps de lumière. Il était là en totalité. Et ça, non pas à travers, pour certains, 30 ans de travail en énergétique, d'attendre que les chakras, les portes s'ouvrent, non pas en suivant les noces célestes, mais d'emblée et spontanément d'un seul coup. C'est le serment et la promesse. Les derniers sont réellement les premiers. Hein? Et d'autant plus que maintenant que la jonction est faite entre le plan le plus dense et tous les plans de manifestation de la conscience jusqu'à la conscience, il y a la possibilité de vivre ce qu'on appelle la conscience nue à travers ce corps. Il n'y a plus besoin d'aller ailleurs. C'est pour ça que j'arrête pas de dire à ceux qui vivent les archétypes sans arrêt, laissez tomber les costumes, ils se détruisent tout seuls maintenant. On est allé bien au-delà des costumes, bien au-delà du monde causal, bien au-delà du monde imaginal. On est allé directement, antérieurement à toute création. Effectivement et concrètement, sans le comprendre, parce que vous ne pouviez pas le comprendre avant. Alors que maintenant, si vous voulez des explications, je peux tout vous expliquer. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, une des explications que j'ai données à Vincent ce matin et qui est extrêmement importante, vous vous rappelez à l'époque, quand on faisait le yoga de l'unité, on travaillait avec les mains sur les extrémités externes des épaules, dans la bénédiction de l'archange, je ne sais plus qui, enfin peu importe, on mettait les mains où ? Là où il y a le manteau de Marie. Hein ? Et aujourd'hui, par exemple, quand on dit aux gens de relier dans le flux vibral le 3 en 1, c'est-à-dire le flux du sacrum au cœur et le flux de la tête au cœur, hein, si ça ne se fait pas, c'est très simple, il faut toucher en ostéopathie les clavicules qui vont déverrouiller les énergies du sacrum, le passage du ciel antérieur au ciel postérieur, c'est-à-dire du ciel non manifesté au ciel manifesté, c'est-à-dire au sein d'une forme quelle qu'elle soit, se fait au niveau de la médecine chinoise, juste au-dessus du sacrum, sur ce qu'on appelle, comme par hasard, la porte du mandat ou de la destinée, qui correspond au deuxième chakra, là où a été lavé par la montée de l'onde de vie en 2012, les lignes de prédation. Mais bien évidemment, la levée des lignes de prédation, on l'a tous vécu avec frustration, n'a pas été suivie de la libération, puisqu'on est encore là 6 ans après. Et ce n'est pas par hasard s'il y a 6 ans après, je dirais même 6 ans et 6 mois et 6 jours. Alors, on ne va pas s'amuser à compter, hein, parce que même moi, je ne compte plus. Je sais que c'est comme ça. Alors bon, j'ai plus besoin de vérifier. Là, pareil, il y en a un qui me dit « Oui, mais alors la fin du ramadan, c'est le 14 à 22h22. » Je dis « Bon, ça va, on n'est pas à 1h39 avant de passer à minuit. Hein. » Mais on est totalement en syntonisation sur le temps zéro. Et on illustre le drame de la création sur Terre, puisqu'on le résout sur Terre, toutes les créations. Et bien évidemment, il ne reste que ça. Et c'est ce que constatent les gens dès qu'ils voient, même sans sortir, même si la conscience d'être sortie n'est pas venue, on a rétabli la mémoire ancestrale, c'est-à-dire celle qui est antérieure à toute création. Et cette mémoire ancestrale, il n'y a rien d'autre que l'amour. Hein? Mais il fallait comprendre, et il fallait le vivre. C'est pour ça que je disais, quand Jésus a dit, même Moïse, aimez-vous les uns les autres, il y a un problème de syntaxe là. Parce que vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres. Vous ne pouvez vous aimer que les uns dans les autres. C'est tout le sermon que nous a fait Bidi hier soir, qui était presque un sermon de curé. Vraiment. Aimez-vous, bordel, mais pas de l'extérieur. Pas en vous prenant dans les bras, en étant dans l'autre réellement et concrètement. Parce que dès que vous dites « je te vois » ou « je suis toi, tu es moi » et que vous le vivez, c'est fini. Vous avez réalisé le grand œuvre. Vous vivez
qu'il n'y a plus de séparation. On n'est plus dans les concepts d'unité ou dans l'expression de l'unité ou dans l'énergie de l'unité, qui en définitive est aussi luciférienne. On est dans l'information du temps zéro, comme on dit en physique. On a arrêté le temps et l'espace, réellement et concrètement. Alors, il faut arrêter avec les conneries de... Ça, on le disait aussi, et Annel me l'a répété dans des années, l'instant présent. Ok, ici et maintenant, ok. Mais ce n'est pas le vide, ici et maintenant. C'est la totalité. C'est le moment où on se vide de soi, c'est-à-dire le moment où on accepte le sacrifice, comme disait Mahananda Moli. Quand vous n'avez pas tout donné, vous n'avez rien donné. Qu'est-ce que ça veut dire donner ? Ça ne veut pas dire donner son argent. C'est se donner à l'autre. Et ce n'est pas en lui donnant de l'argent qu'on va l'aider. C'est en devenant lui-même. Réellement et concrètement. Parce que là, bah après, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que les gens aient envie de penser ? Ils peuvent s'amuser à comprendre, mais vous ne pouvez pas comprendre avant de le vivre. Et le mental est vraiment... l'ultime, ce qu'on appelle le grand gardien du seuil, n'est rien d'autre que l'ultime masque de celui qui adhère à une histoire, quelle qu'elle soit, même la plus sublime. C'est-à-dire, vous êtes obligé de manger le livre, comme ça a été dit. Alors, au niveau de la bouche, le livre, il est génial. Mais quand il descend dans le ventre, c'est-à-dire dans la chair, de la matière et dans le sacrum, ben, c'est pas aussi facile. Hein? Donc voilà, tout ça se réalise maintenant. Alors je parlais des clavicules, des os, mais je pourrais vous parler des os pendant des années. Hein? L'astragale, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le calcaneum aussi. Donc aller au-delà de l'énergie ou de la perception de l'os, mais vivez le sacré de l'os, qui lui est un champ d'information qui ne contient aucune énergie. Hein? Et ça, on le démontre aujourd'hui aussi bien dans la physique quantique avec les dernières découvertes. Quand on nous dit que le mental nous ment, dès l'instant que vous activez les circuits de fonctionnement au sein de la matrice binaire, vous êtes soumis, on le sait, à l'action-réaction. C'est systématique, c'est constant. Hein. Par contre, on nous a dit aussi, déjà depuis des années, qu'il y a la loi d'action-réaction, la loi de 1, qui est l'inverse, qui est la loi de la grâce. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a reçu l'onction du Seigneur, on a rassemblé les étoiles, et au niveau neuroscientifique, ce qu'on a appelé les étoiles qui sont en fait des nœuds, des relais, si vous voulez, de conscience. Il y en a 12 dans la tête, mais on sait très bien aujourd'hui que la conscience, elle n'est pas dans les neurones. La conscience, elle est dans ce qu'on appelle, comme par hasard, les astrocytes. C'est pas moi qui l'ai inventé ce nom-là, hein. C'est comme à l'époque quand on avait les quatre portes du sacrum. Vous savez qu'à l'époque, on déterminait le terme d'une grossesse et l'accouchement d'une femme selon... La vision réelle pour les médecins, pour les obstétriciens à l'époque, avant qu'il y ait tous les moyens modernes, de ce qu'on appelle le losange de Michaelis. Ce monsieur s'appelait Michaelis. J'y peux rien, c'est son vrai nom. Hein? Et c'est lui qui a donné, dans le losange du sacrum, la possibilité de mesurer combien de temps il restait dans la grossesse. Comme par hasard, l'endroit où il y a les quatre portes importantes qui entourent le sacrum, l'os sacré, qui ne sont ces quatre qui sont là, à cet endroit-là, que l'image des quatre Ayota Kodesh qui sont sur la petite couronne de la tête, c'est-à-dire le petit chapeau de Bouddha, hein, qui n'est rien d'autre que le cœur qui est monté à la tête pendant que la tête descendait au cœur. On a coupé la tête symboliquement, on a remis les choses à l'endroit. Et vous savez que le retournement, pas le passage de la porte étroite, qui n'est pas un retournement, qui est un sacrifice, même si ça a été appelé retournement. C'est le moment où on se donne soi-même. Hein, on se donne à l'autre et à travers lui au Père, à ce que l'on est. Hein. Donc vous ne vous êtes pas donné tant que vous n'avez pas donné, ça ne veut pas dire donner son fric ou prendre des milliards de personnes dans les bras, ça veut dire simplement manger l'autre. Vous avez le simulacre qui était obligatoire de Jésus, qui disait « prenez ceci et mon sang, prenez ceci et mon corps livré pour vous ». Aujourd'hui, c'est vous qui jouez le rôle de l'hostie. En vous effaçant pour accueillir l'autre, ou si vous n'en êtes pas capable, de aller en l'autre, l'un ou l'autre. Mais ça ne change rien, parce que de toute façon, il n'y a pas de déplacement. Alors bien sûr, au début, vous avez l'impression de vous déplacer, puisque je m'amusais même à décrire l'environnement des gens. Vous vous rappelez, bon, je voyais par exemple un objet qu'une personne ne savait même pas qu'elle était chez elle. Alors elle ne comprend pas, elle me dit, on est dans le noir complet, je vis un truc incroyable, et toi tu es en train de te balader, de trouver des objets qui sont là depuis 20 ans.
que personne n'avait vu. Donc l'éclairage se faisait sur la scène du monde. Après, je me suis fait engueuler par Billy en me disant que je perdais trop de temps, que je me noyais dans les détails. Bon, il était bien gentil, mais ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'était que les bleus de l'âme et tout. Mais encore une fois, cette compréhension ne servait à rien. C'est-à-dire que même moi, j'étais dans le besoin de comprendre ce qu'ils vivaient à ce moment-là, jusqu'à temps que Billy m'engueule et me dit que ça ne sert à rien, tu rentres, tu éclates tout et c'est bon. C'est une chose qu'on a fait. Mais effectivement, comprendre ne sert à rien. Je vous rappelle les phrases que m'avait dit Anaël quand j'ai vécu les 3 semaines de dissolution dans le paradis blanc où j'appelais ma mère toutes les nuits tellement c'était horrible, où Anaël me répétait sans arrêt, savoir, comprendre, n'est pas voir, voir n'est pas vivre. Dans le chemin du retour, la connaissance luciférienne ne nous est d'aucune utilité. C'est justement ce qu'il faut donner. Savoir que l'on ne sait rien et qu'on n'est rien afin de devenir le tout. Tout ça dans le même temps, et pas seulement le tout et le rien comme l'absolu ou comme Sankara à l'époque dans l'Advaita Vedanta ou dans le taoïsme, vous avez la même chose, hein, mais maintenant, réellement et concrètement, être aussi ceci et cela. Et comprendre, non pas par une compréhension intellectuelle, mais par un vécu, qu'on est réellement les uns dans les autres. Il n'y a aucune autre alternative possible. Aucune, aucune, aucune. Sans ça, c'est pas vrai. Or, c'est vrai. Oui. Ce processus, justement, du cube de métatronique de lumière va se faire sur l'humanité entière. Alors, vous le faites maintenant, avec... Comment il va s'effectuer, il va se réaliser maintenant, jeudi soir, sur l'humanité entière. Oui, bien sûr. Instantanément, bien sur sûr. L'humanité entière. Bien sûr, dès que le pont est établi, et le pont, même moi, je ne m'en suis pas aperçu, parce que je l'ai vécu, ça. Mais je n'ai pas fait le lien. Qu'est-ce qui m'a fait faire le lien? C'est vous qui me le faites faire à chaque fois. Puisque la synchronicité est totale, dans l'alignement total avec la volonté d'Abba, et non plus de Jean-Luc Ayoun, puisque je me suis donné totalement. Hein, et ça, je l'ai compris, vous voyez, quand il y avait des soins. Au début, en bon médecin, je me dis, alors, on va mettre des tarifs, des honoraires. Et puis, ça a été blackboulé. Ça ne peut pas être un échange. Ça ne peut être qu'un don, afin de vous permettre de vivre, vous, l'échange. Mais cet échange ne peut être tributaire de rien d'autre que l'échange en lui-même. Tu es moi, je suis toi. Il n'y a aucun intermédiaire, ni prêtre, ni curé, ni maître, ni argent, ni rien. C'est la seule façon de redevenir un. Mais réellement et concrètement, même ici, à travers ce corps. Hein? Donc même moi, je l'ai vécu sans le comprendre. Hier soir, ça a été tellement puissant, bon, on a parlé un peu. Et puis surtout, au même moment, je reçois le témoignage de la veille de Maud, qui, d'un coup, m'éclaire et me donne à voir à travers son vécu que j'ai vécu en même temps, mais sans les images, puisque j'ai plus le droit de voir les images. Je les vois quand je suis ailleurs, mais pas ici. Et là, ben, ça s'est fait jour tout de suite. Nous vivons tous la même chose. Alors bien sûr, il n'y a pas encore de tempo synchro, chose qu'on va réaliser jeudi. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse la parole. J'ai assez parlé des autres, parce que si à chaque fois, je vous ai laissé poser vraiment aucune question pratique, donc s'il y en a, ben, on en profite maintenant, ça sert à tout le monde. Et je vous écoute. Moi, je me tais. Ouais, Franca. Pourquoi le 12e corps, enfin chez moi, est très actif par moment? Est-ce que mon nez va fleurir? Non, oui, il va fleurir. Mais le 12e corps, c'est quoi? Le 12e corps, c'est l'androgyne primordiale qui s'est résolue dans le cerveau avec la descente de l'Esprit-Saint, l'activation de la couronne. Ça, on le sait déjà bien avant les noces célestes, puisque j'avais travaillé sur les NDE. Et en tant que neuroscientifique, si tu veux, on avait démontré que quand il y avait une NDE ou un accès à un autre état de conscience, comme ça a été démontré au Canada, un vrai mystique, il a nécessairement des modifications dans son cerveau. Et on sait où sont ces modifications. Elles sont, il y a un œdème cérébral qui apparaît comme par hasard là où sont Ikenouk. Il est concret, hein, on le voit sur les scanners. Quand tu as fait une NDE, quand tu as fait un état mystique, chez certaines religieuses qui vivent l'état mystique, chez les soufis, eux, ils tournent sans arrêt sur eux-mêmes. C'est pas pour rien, hein, c'est pas pour danser qu'ils tournent sur eux-mêmes, c'est pour s'oublier et se donner. Hein? Et d'ailleurs, on peut se donner dans le simulacre
je l'ai démontré pendant des années, que ce soit à travers les cristaux, l'énergie, la pratique du tarot en posturologie, je vous l'avais montré, le diable, hein, quand vous reproduisez le diable, vous êtes obligé de rire. Il n'y a aucun drame là-dedans. Hein. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc pourquoi le 12e corps? Parce que l'androgyne primordial, c'est ce qui a permis de rompre dans la tête l'isolement, puisque l'androgyne primordial, il correspond à ce qu'on appelle le corps caleux, c'est-à-dire la jonction des deux hémisphères du cerveau qui étaient séparés, puisque vous savez qu'on avait un cerveau, vous savez qu'on a un cerveau qui fonctionne par la raison, entre guillemets, et l'autre par l'intuition. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, cerveau gauche, cerveau droit, mais ce n'est pas grave, on garde quand même ce référentiel. Ce n'est pas tout à fait ça, ça se passe précisément au noyau, vous le savez, je vous l'avais dit, au niveau de ce qu'on appelle le thalamus central, les noyaux du thalamus central, c'est-à-dire le siège de l'identité. Quand vous dites « c'est moi », ça se passe dans le cerveau. Et le cerveau vous ment. Donc, permanence. Et je voulais en venir, c'est que là, pour l'instant, les nœuds de la conscience, ils étaient dans les 12 étoiles. Les 12 étoiles se sont réunies. Les neurones ont perdu leur primauté. Ah, et comment on fait pour vivre sans neurones? Ben, c'est très simple. Il y a des cellules qu'on connaît depuis toujours. On était persuadé qu'elles ne servaient à rien. Je l'ai dit, les astrocytes. Les cellules en forme d'astre. Et ces cellules, vous savez comment on les a appelées à l'époque? La glu. Parce qu'on pensait que c'était un tissu de soutien des neurones. Parce qu'on a toujours considéré que les neurones, c'est le summum. Ben non, ce n'est pas les neurones. C'est les astrocytes. Or, chez tous les mystiques, et ça maintenant on l'a démontré depuis un an ou deux, parce qu'il y en a qui sont morts, donc on a réussi à découper leur cervelle, on ne pouvait pas le voir sur l'IRM, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Ben que ce qui était multiplié dans le cerveau, qui vous donne, vous savez, la tête douloureuse, les douleurs qu'on a eues, les pressions dans la tête, sur les étoiles, et maintenant sur l'avant du front, avec l'onction du Seigneur, n'est rien d'autre que la prolifération des astrocytes. Les étoiles en elles ne parlent que de toi, c'est-à-dire que les étoiles, c'est quoi? C'est l'astrocyte, mais ce travail qui a été fait dans la tête par la prolifération des astrocytes, il fallait bien le réaliser au plus profond du corps, et ça s'est réalisé où? Sur l'astragale. L'astragale, Galles, la France, les Gaules, Portugal, porte des Gaules, c'est les pieds, c'est Fatima. Vous retrouvez au niveau de vos pieds les deux os qui sont le ciment, quand on dit le colosse au pied d'argile, ou la blessure par la flèche qu'Hector a infligée à Achille, ce n'est que la même chose. Nous vivons le drame archétypiel en nous. Et nous le vivons à chaque vie, sauf que maintenant on le voit. Et quand vous le voyez, ben vous ne pouvez plus y adhérer. Vous consumez vous-même la terre et les archétypes. Avant, ça se passait pour ceux qui avaient la possibilité frustrante, pour ceux qui ne vivaient pas, de sortir en conscience nue et d'aller se balader. Je dis et j'affirme, arrêtez maintenant. Hein? Même les plus grands joueurs de la planète, Emmanuel, Brigitte et moi, stop, vous allez mourir si vous continuez. Parce que ça consume totalement l'énergie vitale et c'est le but. Mais ça ne sert à rien de partir avant, la fête n'est pas finie. Hein? Donc, silence, tranquillité, calme, sortie des archétypes, pénétration dans le verbe, c'est d'ailleurs pour ça que demain il n'y aura aucune image de Jean-Luc Ayoun, vous n'avez pas besoin de Jean-Luc Ayoun, vous n'avez pas besoin du décor, vous avez juste besoin du son, du verbe. Absolument. Parce que ce verbe résonne en vous, puisqu'il n'y a plus les couches isolantes, il n'y en a plus aucune. Et donc vous avez rejoint les astrocytes au pied, et vous faites le miracle d'une seule chose. Après être passé par toutes les portes, la porte de l'enfance, la porte de l'adolescence, la porte de l'âge adulte, la porte de la transcendance, qui ont été, entre guillemets, des étapes dites initiatiques de révélation et qui ont permis de vivre réellement l'ascension, comme ça a toujours été dit, quelles que soient les expériences ailleurs, l'ascension ne peut se vivre qu'au travers de la chair, c'est-à-dire ce qu'on appelle une transsubstantiation totale, où en mangeant le corps du Christ, qui n'est d'autre que le corps du Père, vous devenez le Père. Et c'est pour ça qu'on emploie cette expression, se manger les uns les autres. Alors bien sûr, celui qui ne comprend pas, va dire, mais c'est quoi, c'est fou furieux. Mais pendant ce temps-là, nous, on se mange réellement. C'est comme cette occasion, lorsque Jésus avait dit ça, donc il fallait le manger,
tout le monde a eu un très grand choc et tout le monde voulait partir. Bien sûr. Et même ses disciples, bien puisqu'il sûr. A dit, est-ce que vous aussi vous allez partir? Et ils ont dit, mais à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Mais ça a été la parole la plus choquante qu'il ait pu dire. Oh, tu sais, aujourd'hui, il y en a plus, donc, encore des plus choquantes. Hein. Quand la révélation qu'on a, quand on voit la faute primordiale, enfin l'anomalie primaire, mais qui était prévisible, vous avez vu le déni ou la colère qui peut nous prendre, tous les uns et les autres, quand on est furieux. Parce que toutes ces histoires, on ne les a pas vues. On était complètement soumis à toutes ces histoires. Oui, mais mon 12e corps. Comment ? C'est mon 12e corps. Alors pourquoi il est. Eh bien, le 12e corps, c'est l'androgyne primordial en haut. Maintenant, qui a descendu jusqu'au plus profond des cellules. Oui. Puisque l'ADN a muté, réellement et concrètement. Je donne un exemple qui est fort simple. Louis Gilles, ce matin, on parlait de différentes choses. Elle me dit, mais alors, tu as 12 brins d'ADN. Mais c'est évident. Quand j'ai fait des tests ADN pour une maladie génétique que j'avais, ils ne comprennent rien. Parce que j'avais les deux gènes, mais ils ne peuvent plus s'exprimer. Alors que c'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs brins d'ADN. Et que le brin falsifié a retrouvé l'éther. Donc le codage à 4 bases est devenu un codage à 5 bases. Avant, il fallait ce qu'on appelait en biologie un ARN messager. Bon, je parle pour les biologistes, vous n'êtes pas obligé de comprendre, hein, mais il y a des gens qui comprennent. L'ARN messager, c'était ce qui transportait l'ordre de l'ADN dans toute la vie, c'est-à-dire dans toute la cellule. On n'a plus besoin d'ARN messager, puisque la 5e base qui n'est présente que dans l'ARN à réintégrer l'ADN. C'est conforme depuis les niveaux quantiques de la physique, puisque maintenant on sait partir, pas par les physiciens, mais par les astrophysiciens. Regardez ce qu'ils disent aujourd'hui. Vous avez des couches isolantes. Hein? Vous avez en particulier la ceinture de Van Allen, qui est la couche la plus périphérique de notre système solaire, qui est un agencement de couches de cristaux liquides qui démultiplie l'image à l'infini. Mais qui nous empêche de voir la démultiplication de l'image à l'infini. Donc c'est pas, quand je vous dis qu'il faut se manger les uns les autres et qu'on est les uns dans les autres, c'est la seule vérité, il n'y en a pas d'autre. Donc, tant que vous aimez les uns les autres, vous ne voyez pas que l'autre est vous. Vous êtes encore dans une projection. Vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas mangé le Christ, vous n'avez pas mangé l'autre. Hein? Et le Christ avait dit, c'est celui qui est mangé qui est gagnant, c'est pas celui qui mange. Il avait dit, bien évidemment, à l'époque, il fallait le comprendre. Hein? Et d'ailleurs, la méthode de propagation de l'information du temps zéro, elle se fait, comme avait dit Omra, mais à l'époque, on n'était pas content, il nous disait d'aller, je vous l'ai déjà dit, d'aller dans le net. Nous, on ne voulait pas aller dans le net, on savait déjà que c'était satanique. Mais vous ne pouvez féconder l'ennemi, entre guillemets, le diviseur ou le divisé, uniquement en étant sur son terrain de jeu. Parce que vous ne pouvez pas délier la terre sans délier la terre, et vous ne pouvez pas délier le ciel sans délier le ciel. C'est pour ça que maintenant on peut enlever les bracelets du ciel qui sont aux bras, et les bracelets de la terre qui sont aux chevilles, même si effectivement ces derniers temps vous avez senti l'impression d'avoir quelque chose qui n'est plus un bracelet, mais c'était carrément quelque chose qui vous coupait les jambes. Mais c'est fini. Les bottes, bah, je les sens encore. Oui, tu le sens parce qu'il ne faut pas partir avant la fin, mais ce n'est pas une gêne pour vivre ce qu'il y a à vivre. Mais tu vas le sentir de plus en plus. Hein. On a ouvert les bras. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les bras? C'est pas prendre l'autre dans ses bras. C'est accueillir son double. Nibiru va enfin pouvoir ouvrir les ailes. De la même façon que Marie a ouvert ses bras et a accepté de faire disparaître le 666 de ses bras pour pouvoir être consciente depuis peu de temps de ce qui se passe et de le vivre en pleine conscience. Comme vous allez le vivre en pleine conscience, sans avoir besoin de mettre de distance dimensionnelle, puisque tout s'actualise en vous. Vous fermez les yeux, l'écran psychique, le vrai, pas celui qui montrait des conneries de vie passée et autres, même si vous repassez par quelques vies passées, vous jouez votre partition, mais vous la jouez depuis ce corps, dans tous les plans, jusqu'au trône. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous pensez,
mettez l'amour devant n'est pas un vain mot. Hein, on a lu le prêche de Bidi hier pendant presque une heure, qui était presque un sermon de curé. Mais maintenant, passez à l'acte. Passez à l'acte, c'est vraiment aimez-vous les uns dans les autres. Hein. Abba, il ne va pas se taper 7 milliards d'individus, ni même des millions, hein, parce que j'ai autre chose à faire qui est surtout de ne rien faire, plutôt que de jouer encore à... Maintenant que tout a été révélé et vécu, révélé c'est une chose, mais si ce n'est pas vécu, hein, regardez le message du Christ, il a fallu plus de 1000 ans pour qu'il passe. Nous, on a préparé ça pendant 100 000 pages de canalisation depuis le début d'année, et maintenant on bouffe le livre, on n'en a plus besoin. Et c'est ça, si vous voulez, et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à travers simplement des images, des chansons, des mots, de l'humour, en faisant de la poésie pendant un mois, alors que je ne suis pas un poète, hein, ou le plus grand des poètes peut-être, je ne sais pas, mais peu importe, je ne me considère pas ici comme un poète, simplement pour faire toucher le ciel et la terre, c'est-à-dire commencer à joindre les plans, que les gens comprennent que même dans les chansons, dans une image, ou dans n'importe quoi qui se vit en nous, même l'emplacement de où on habite, dans le nom, dans la rue, dans le numéro, dans ce qu'on voit de notre fenêtre, nous renvoie à nous-mêmes. Et pas du tout dans les symboles complètement aberrants de la méduse, avec cette description de la matrice binaire. J'en ai rien à foutre de la matrice binaire, on la connaît depuis tant de temps. Donc remplacez ça. Hein, ce n'est pas en regardant où vous avez mal que vous allez résoudre où vous avez mal. Il faut d'abord trouver la clé qui n'est pas à l'endroit où vous êtes, et après redescendre ça, là où il y a la souffrance. Hein, on n'est pas dans de la spiritualité chirurgicale où on dit « t'as ça, je t'enlève ça ». Non, ça ne sert à rien. C'est l'amour d'abord qui va enlever. La compréhension, elle vient après. C'est pour ça que toutes les médecines, comme je l'ai dit, et même les médecines énergétiques que j'ai pratiquées pendant 30 ans, ne sont que des énergies lucifériennes, qui n'ont rien à voir avec Lucifer, hein. Lui, il est rédempté depuis longtemps. L'histoire de Lucifer, vous avez simplement dans l'histoire égyptienne, hein, pour ceux que ça intéresse. Bon, moi, ça m'a gavé, je vous le dis, fermez vos oreilles si ça vous gave, mais je l'ai retrouvé, donc je vous en parle. C'est très simple. Hein. Vous connaissez tous l'histoire d'Isis et d'Osiris. Hein, avec le méchant Seth qui a coupé Osiris en 13 morceaux, avec la complicité de la sœur de Marie qui s'appelait Nephthys, Nephthys qui était mariée à Seth, Seth qui n'est rien d'autre que Lucifer, mais Lucifer, après, il s'est aperçu de son erreur, mais son erreur, heureusement qu'elle a eu lieu, qu'il a séparé les morceaux. Et qu'est-ce qui avait donné l'ordre à Seth de couper les morceaux d'Osiris? Vous ne le savez pas? Non. C'est Apophis. Apophis n'est rien d'autre que Yaldébaoth. Et vous avez une série d'ailleurs qui s'appelle Les Visiteurs. Et vous avez une série qui s'appelait... comment ça s'appelle ceux qui ont des espèces de vers qui rentrent dans le cerveau, là? Didi, tu dors? C'est quoi la série là qu'on a regardée? Je ne me rappelle plus. Enfin bref, tout ça est illustré à merveille. Vous l'avez partout. Parce qu'il ne pouvait pas... Non, la grande série, il y a eu plein de... C'est pas V, c'est pas Les Visiteurs, c'est un autre nom. Ah, là, si, Stargate. La porte des étoiles. Ça, vous ne pouvez pas en être autrement. La porte des étoiles. Hein, où on vous montre clairement ce que sont ces parasites. Le ver dans la tête. Le ver est dans le fruit. Le ver, il est dans la tête. Donc, l'androgyne primordial, d'abord, tu le résous dans l'antagonisme gauche-droite de ta tête, ça ne libère pas, mais ça aide quand même à mettre déjà un petit peu d'ordre. Mais l'alchimie doit se poursuivre, s'incarner, et libérer ce qu'on appelle les racines, les chevilles, là où est le point de faiblesse, hein, le colosse au pied d'argile. Et maintenant que l'androgyne primordial est solutionné sur la Terre, depuis la levée d'anomalies primaires, le tube métatronique est complet. Avant même les 40 jours, ça a commencé il y a 2 jours. Bon, on n'est pas à 2 jours près. Hein. Mais c'est exactement ça. Rien de plus, rien de moins. Donc l'autonomie, la liberté, on a franchi la croix, on a franchi le croisement. Et d'ailleurs, je me suis fait une paralysie des extenseurs de l'anus à force de croiser les jambes. Parce que comme j'ai maigri, je croise tout le temps les jambes. Et on me dit d'arrêter de croiser les jambes.
comme on dit à Marie, d'arrêter de laisser s'échapper des mouvements de sa tête dans l'éducation sentimentale, ou encore quand on dit la phrase que je vais retrouver, même si elle n'a plus d'importance, qui est « Et pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses, et dans tes cheveux, ma belle, te rendront cruel pour tes amoureux. » Ben oui, parce que c'est cruel, dans tous les sens du terme. Cruel. On est en français. Cruel. Qui l'eût cru ? Plus tu crues. Et vous faites des pattes. Mais non, mais ça va très très loin. Parce qu'il y a une blague qui vous dit, quand on est enfant, comment s'appelle le sexe entre les jambes de l'homme ? Le zani. Parce qu'entre les pattes, on zani. Mais non, mais... Ça va jusque là. Lus tu cru, le symbole c'est les œufs. Panzani c'est autre chose. Je vous laisse regarder le symbole. Je vais pas m'amuser à décoder tous les symboles de la terre sur un plan divin, parce que c'est écrit. Donc, amusez-vous si vous voulez. Moi j'en ai ras le bol. Ça va. J'ai donné. D'ailleurs, ça n'a pas été inutile, sauf pour les gens comme vous, qui suivez AD depuis toujours, où vous avez dû vous dire, mais il est complètement frappadingue, le Ayoun. Ça nous a traversé l'esprit. Hein ? Ça nous a traversé l'esprit. Ben heureusement que ça nous a traversé l'esprit. Il fallait devenir fou en amour. Il fallait lâcher tout ce à quoi vous teniez, vos vibrations, vos portes, vos étoiles. Maintenant, vous pouvez vous en servir parce que vous l'avez vécu avant de le comprendre. Maintenant, vous pouvez tout comprendre. Les voiles ont été levées. Reprenez l'impersonnel. Reprenez Enol Waden. Reprenez l'esprit du soleil. Et tout va s'éclairer. Non pas pour manger le livre. C'est vous qui allez éclairer le livre. Il n'y a plus besoin d'être mangé. En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà mangé. Hein, vous en êtes farci. Des heures assis avec moi pour la plupart. Et des pages. Et des heures, des milliers d'heures de transcription d'audio. Parce que le messager, bah bien évidemment, moi j'étais le messager, mais après il fallait un autre messager pour que ça arrive jusqu'ici. C'était Christiane. Avec ses problèmes de jambes, de chevilles, tu restes là. Elle a tenu bon. Comme tous les autres d'ailleurs, qui même sans avoir rien vécu, qui ont suivi parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Ils n'avaient aucun moyen de se le prouver, mais ils étaient dans une foi totale. Même ceux qui ont fait les tournicotis, tournicota, hein, ils étaient utiles. Chaque chose étant à sa place. Hein. Je m'aperçois que je réponds beaucoup trop longtemps aux questions, mais bon. D'autres. Non, simplement, si j'ai entendu parler justement d'un sarcophage qui se trouve dans l'eau. Alors, elle a entendu parler ce matin de ce fameux sarcophage, si tu voulais nous éclairer davantage. Ah, encore un symbole. Bon, à Arles-sur-Tech, il y a un endroit magique qui s'appelle le Palao de Marie, le palais de Marie. Et il y a plus de 30 ans, j'ai failli acheter ce palais. En rentrant dedans, j'ai jamais vu autant de fantômes de ma vie. Jamais autant. Bon, moi à l'époque, je m'en foutais des fantômes, mais ma femme, pas vraiment. Donc on ne l'a pas acheté. J'avais même prévu de continuer à travailler à Paris, de rentrer le week-end pour vivre là. Je voulais vivre là, pas pour la maison, mais pour le sarcophage qui est à côté. Ce sarcophage est un sarcophage qui est très vieux, mérovingien, et qui a la particularité de se remplir et de se vider d'eau à chaque fois qu'il y a une guerre sur Terre. Là, il s'était rempli de nouveau, et il s'est vidé ce matin. Par quelle opération ? Personne ne sait, les scientifiques ont étudié. On ne sait même pas comment il se remplit d'eau, parce qu'il est à l'abri sur le déambulateur du cloître du petit monastère qui est là. C'est un fantôme. Ah non. Les scientifiques sont venus pour tester l'hydrométrie de la pierre. Enfin, ils ont tout fait. Hein. C'est mystérieux. Hein. Et le Palao, la maison, le palais de Marie, qui est plein de fantômes, est un lieu de passage. Lieu de passage, bon, j'en ai habité plein. Hein, j'habitais aussi en Normandie un manoir qui s'appelle le manoir des Longprés, où toutes les nuits, putain, il y avait des fantômes qui passaient de tous les côtés. Un matin, j'en ai eu marre, j'en ai chopé un. Il dit, mais foutez-moi la paix chez moi. Mais non, il disait, on est obligé de traverser là pour aller à une église qui est l'église de Bernay, où a été rendu le premier culte de la Vierge Noire en France. Et le point de passage, c'était le cyprès qui était devant ma chambre et la vallée qui était à moi, qu'on appelait la vallée de la couture.
Alors ça va très très loin, mais ce n'est pas spécifique d'abord. Vous tous, si vous regardez avec ce regard neuf, vous allez le voir dans votre adresse, dans votre code, dans vos chaussures, dans vos vêtements, dans tous les événements de votre vie. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la matrice binaire. Aucun intérêt à voir, on est en plein dedans. C'est la matrice christique qui voulait voir, qu'on devait voir. Et c'est ça qu'on voit. Alors le fait qu'il soit vidé, là, qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi ? Ça veut dire qu'on rentre dans un événement collectif planétaire de type guerre. C'est évident. C'est près d'Amélie Les Bains, non ? Comment ? C'est après Amélie Les Bains, c'est oui, ça ? Oui, ah oui. À Arles-sur-Tech, c'est à quelques kilomètres d'Amélie Les Bains. C'est à quelques kilomètres aussi, bien sûr, en ligne droite, à vol d'oiseau, du village elfique. Vous savez qu'ici, on a trois villages elfiques, hein, je vous les avais dit, et que le village s'appelle Éridan, qui est le nom d'une constellation qui est juste derrière Orion, qui veut dire le lieu où le soleil ne se couche jamais. D'ailleurs, en parlant du ciel, vous savez qu'en sumérien, cosmos, ça veut dire la peau de serpent, hein, que Nout, la voûte étoilée, c'est une illusion, mais qui nous protège. Et on sait très bien aujourd'hui, à travers la ceinture de Van Allen, l'ionosphère et l'héliosphère, que ce sont des agencements de cristaux liquides qui démultiplient l'image à l'infini. On ne voit pas la vérité. Et effectivement, quand tu franchis la porte du soleil, la Stargate, en corps d'éternité, je peux même le franchir en conscience nue, et après retrouver derrière le corps d'éternité dans la forme que je veux, pour aller visiter les orbes. Mais ces orbes, elles n'existent pas plus. Elles font partie du rêve. Donc c'est un codage informatique qui n'est pas sur un mode binaire, mais ce qu'on appelle de l'informatique quantique, c'est-à-dire sur un mode ternaire. Il n'y a pas 0 ou 1, il y a 0, 1, ou peut-être ni 0 ni 1. C'est la variable qu'on appelle quantique. Quoi ? C'est fait par les Normands. Ni oui ni non. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la voie du milieu. C'est ni la voie sèche ni la voie humide, la voie sèche des alchimistes qui se basent sur l'intellect, ni la voie humide qui est la voie du mystique fou qui donne tout. C'est Rumi, c'est Sri Aurobindo dans son jeune âge. Hein ? C'est moi depuis un mois. Qui a chevauché les lignes de temps avec une intensité à nulle autre pareille pour démêler les chevaux. Hein, vous croyez que ça m'amuse, moi, d'aller jouer à être Indra ou à être Tlaloc? En plus, je l'ai déjà fait réellement incarné dans la chair, Tlaloc. Hein, parce que chez les Mayas, il y a le représentant de Quetzalcoatl et le représentant de Tlaloc, le dieu de l'éclair, qui, dans chaque cité maya, vous aviez deux individus qui étaient chargés de représenter Quetzalcoatl et Tlaloc. On prenait les deux plus fous en général. Hein? Donc je les jouais dans la chair. Hein? Et tout ça, si vous voulez, on le vit tous aujourd'hui. Hein? Et bien évidemment, il ne peut y avoir que de l'humour. Parce qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas d'humour. Alors finalement, la guerre, oui ou non, non. Oui, oui, mais peu importe. Je sais pas, c'est parce que ça change. Elle sera. Non, j'ai toujours dit qu'il y aura quelque chose qui sera extrêmement court. Mais ça change. Mais heureusement que ça change chaque jour et que ça s'adapte chaque jour. On suit, je l'ai dit, tous aujourd'hui, sans exception, même moi, on ne fait que suivre la ligne de temps, du temps zéro et du Christ, c'est tout. Et on la voit. Hein? À un moment donné, la seule chose que je peux faire, c'est modifié du fait de l'ultra-temporalité, puisque je peux par exemple faire des soins, hier ça va très très loin, l'autre soir j'avais un soin à faire à quelqu'un, je n'ai pas eu donné son nom, ça va s'énerver encore. J'avais un soin à faire à 10h, et à 11h30 je me dis, merde, je l'ai oublié. Qu'est-ce que je fais ? Je remonte le temps, mais je lui remonte son temps à elle aussi. Donc elle a vécu à l'heure dite. Par contre, quand je donne une heure, je ne peux pas revenir en arrière. Je peux changer l'ultra-temporalité qu'une fois. J'ai eu le cas Isabelle et Juliette, où elles voulaient inverser les deux rendez-vous, et je lui ai dit, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, parce que j'ai changé l'horaire en ultra-temporalité. Ah, oui. Mais je ne peux pas revenir en arrière, apparemment. C'est-à-dire que si je verrouille un nouveau temps, en le devançant ou en étant avant le temps, je peux le prendre dans les deux sens, ça marche. Mais une fois que je l'ai fait, je ne peux pas le décréer. Tu perds ton temps. Donc l'ajustement du temps,
au temps zéro, on ne peut le faire qu'une fois. Au niveau collectif. Et sur un individu, je peux le faire qu'une fois aussi. Mais c'est pratique, avec les petites mémoires que j'ai, quand je m'aperçois que j'ai oublié une tripotée, eh ben je les remets dans le temps où moi je le fais, qui est le temps pour eux où j'étais censé le faire. Et dans le résultat, ils le vivent. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est pour ça que Brigitte aussi se tape la tête contre les murs. Elle pose une question par écrit un soir, la réponse a déjà eu lieu quelques heures avant. Et c'est toujours comme ça. Par exemple, Manu pose un truc, il a envie de parler de l'Arche d'Alliance. Et moi, à ce même moment, sans le savoir, je parle de l'Arche d'Alliance, mais la vraie. Hein? Tout se passe comme ça. Vous allez rentrer dans cette hyper-synchronicité où dès que vous lâchez le besoin de comprendre, le besoin du diable de comprendre tout, vous le vivez. Mais si vous voulez le comprendre, vous ne le vivez pas. Et c'est pareil pour tout le monde. Or, on a tous fonctionné comme ça. On adhère à quelque chose quand on l'a compris. Moi, je vous dis, c'est faux. Aujourd'hui, on n'adhère pas à quelque chose. On se rend libre en le vivant. Or, vous n'avez pas besoin d'Abba qui vous parle de ses films, de ses trucs, parce qu'ils correspondent au collectif. Vous avez, à chaque regard que vous portez en ce monde, je ne parle ni de méditation, ni d'alignement, ni d'aller se balader dans les dimensions incroyables, vous pouvez retrouver la disparition totale et en revenant, éclairer par vous-même tout ce qui est à éclairer dans votre vie, tout ce que vous avez à démêler. Moi, j'ai été, comme je l'ai dit, l'éclair initial. Bien sûr, nous continuons à œuvrer dans ce sens-là, parce que chacun le fait. Quand vous vivez ça, vous ne pouvez plus vous arrêter, même si vous le voulez. Que ce soit Brigitte, elle travaille 20 heures par jour, mais ce n'est pas du travail, c'est un plaisir. Manu, pareil, parce qu'on ne peut plus faire autre chose. Je suis obligé moi-même de me brimer, de dire par exemple, là je fais silence pendant 2 jours, mais vous êtes attiré non pas vers l'exubérance, mais vers l'éclatement de la vérité. Et il n'y a aucun prix à payer pour ça, et quel que soit le prix à payer, de toute façon vous en foutez, puisque vous vivez réellement que l'autre est vous. Comment voulez-vous en vouloir à n'importe qui dans ces cas-là? Même quand vous voyez un frère qui est dans certaines postures, vous ne pouvez pas du tout lui en vouloir, c'est impossible, vous ne pouvez que le manger encore plus vite. Le dévorer. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est vraiment magnifique, parce que c'est magique. C'est magique, mais dans tous les sens du terme. Et ce n'est pas de la magie qui ne touche que ce plan terrestre qui est luciférienne, c'est la magie qui rejoint tous les plans, dans la même unité, dans la même vérité, qui en fait n'existe pas. Ce n'est qu'un rêve. Mais ce n'est plus un cauchemar, en tout cas. Et comme le rêve... c'est là où même moi je ne l'avais pas trop compris, même en prononçant ces phrases au début, quand on dit qu'on met fin au grand cycle cosmique de création, le paradoxe c'est que le serment et la promesse est réellement la fin, et quand vous vivez le serment et la promesse en totalité, vous n'avez plus envie d'être présent dans n'importe quelle forme, c'est évident, mais néanmoins toutes les formes vous sont ouvertes dans le même espace-temps, puisqu'il n'y a ni temps ni espace. Donc il n'y a plus de déplacement. Et on l'illustre à travers notre conscience qui, dès hier, peut travailler, même sans sortir en conscience nue. Ça a été dit, en amour nu. L'amour nu, c'est quoi? C'est relier tous les plans. Votre phare psychique, le vrai, pas le phare d'Alexandrie, de la chanson, c'est les sirènes, ça. Les sirènes du port d'Alexandrie, bien sûr. Comme par hasard, là où il y avait la plus grande bibliothèque au monde. Oui, oui. Tout est lié. C'est tout ça qu'il faut délier, mais comme on le voit maintenant à chaque minute, ça se délie tout seul. Et ça va se faire de façon de plus en plus évidente dans tous les secteurs de nos vies. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut le faire ici. Il n'y a plus besoin d'aller se fatiguer, même s'il y en a qui vont voyager encore, à vouloir à tout prix voyager ou aller agir. D'ailleurs, Manu l'a compris, ça se fait tout seul. Mais ça se faisait tout seul aussi, mais à son rythme. Or, il a fallu accélérer la cadence, parce qu'effectivement, le message du Christ est passé en 1000 ans, le message de Mohammed est passé en 500 ans, même pas, et là, maintenant, avec la technologie moderne, on passe en 40 jours. Merveilleux. Vous voyez que ça sert un peu la technologie dans l'illusion. Mais la vraie technologie, c'est nous, c'est la technologie de la lumière, c'est rien d'autre. Et c'est dans cette période... où effectivement le drame cosmique se résout et s'achève, nous donnant à voir et surtout à vivre, et pas seulement à comprendre, la vérité. Et la vérité, quand on arrive au bout,
Bah, tout ça, c'est du vent. Il n'y a que l'amour. Ce que nous sommes de toute éternité, qui n'a jamais bougé, qui ne s'est jamais déplacé. Et c'est ça qu'on vit, tout en participant au jeu. Il y en a qui sont encore bougons parce qu'ils n'aiment pas jouer, mais on va les entraîner aussi. On a d'autres moyens de vous faire rire. Et maintenant, en plus, avec le vibral, vous savez que c'est très simple. D'ailleurs, les gens, c'est ce qu'ils vivent, que ce soit avec Elo, avec moi ou tous les deux. Hein, on arrive, pouf, c'est partout. Le corps d'éternité est là. J'ai plus rien à faire, mais quand le corps d'éternité est là. Quand il est là, totalement. Vous débrouillez, c'est votre affaire. Et votre affaire, c'est pas de faire, c'est d'être. Et ça, quand vous le vivez, ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils s'ouvrent, ils s'embrasent, ils pleurent, ils rient d'eux-mêmes, de la vie, de l'amour. Vous ne pouvez pas être dans l'amour si vous ne riez pas de ce qui vous arrive à ce moment-là. Parce que c'est franchement, comme disait Anaëlle en 2009 avant les noces célestes, même si à l'époque j'avais pris un peu de travers avec tout le monde, il nous disait « votre situation est à hurler de rire », je vous l'ai dit hier. C'est à hurler de rire. Comme il a dit, il n'a pas pris la caverne de Platon, il disait « vous êtes depuis des millénaires en train de travailler une porte qui est fermée et qui restera toujours fermée, alors que la porte, vous avez juste à vous retourner pour voir qu'il n'y a pas de porte et pour vous retrouver au même endroit. » Mais il a fallu en déplacer des montagnes, pour pouvoir accepter. Hein? Et ce n'est pas des blagues. Quand maintenant, je dis aux gens oui, ils me répondent de même oui. Et maintenant, quand je vois un oui n'importe où, je sais que les gens l'ont vécu. Ce n'est pas le oui de demande, ce n'est pas le oui de l'acceptation, c'est le oui du vécu. Hein? Et les Brésiliens, eux, ils y vont par wagon. Et parce qu'eux, ils étaient toujours plus près que nous de le vivre. Voilà, donc, oui. Tu disais justement hier que le ciel va se remplir de toutes les fraternités galactiques. On va répéter. Les gens se... Alors, elle dit que hier, tu parlais que le ciel allait se remplir de toutes les fraternités galactiques, de tous les vaisseaux. Oui. Et en fait, à l'époque, tu me disais qu'il y en avait certains, comme les Dracos, qui viendraient nourrir leur frigo, etc. Et en fait, alors qu'est-ce qui va se passer vraiment? Alors, elle dit que à l'époque, on disait que les Dracos allaient venir et remplir le frigo avec tous les gens qui mourraient. Qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant? Et pour les autres? Et pour toutes les fraternités? Ils vont subir, comme tout le monde, le gris planète, parce que, vous le savez, ça avait été dit, personne ne peut sortir et tout le monde est rentré. Ils sont rentrés dans le système solaire, donc ils sont... Hein? Donc, bien évidemment... Puisque c'est la résolution des sept super univers, dont un qui est bien amoché, d'ailleurs c'est le nôtre, c'est celui qui est sous l'eau. Hein? Ces sept super univers, toutes les consciences sont obligatoirement présentes, sans aucune exception. Elles sont présentes à la fois dans un corps de chair, puisque nous sommes tous Métatron, nous sommes tous Gabriel, nous sommes tous Yaldébaot. Il ne peut pas en être autrement. Nous sommes tous Lucifer. Nous sommes tous Marie, nous sommes tous à bas. Il n'y a que celui qui est dans l'ego qui dit « Oh là là, quel ego celui-là » Il dit qu'il est à bas, le pauvre. Ils viennent pour ce rendez-vous parce qu'ils en sont tous conscients. Hein? Alors, ils viennent à ce rendez-vous parce qu'ils en sont tous conscients? Ah ben non seulement c'est un rendez-vous, mais en plus, ils n'ont pas à donner leur accord ou leur conscience. C'est ce qui est prévu depuis toujours. Ils ont signé. Ben, les dracos, ils venaient bouffer. Les anges du Seigneur, ils venaient nous sauver. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à bouffer. On aura tout bouffé. Oui. Et ils seront là néanmoins. Mais c'est trop tard puisqu'ils sont tous rentrés. Ils ne peuvent plus ressortir. Personne ne peut échapper. Personne ne peut éviter de ce qui va se passer. Absolument aucune conscience. Et bien évidemment, ça fait du monde. Hein. Donc bien évidemment, quand j'étais chez Joao au Brésil... la vision que j'ai eue, la vision vécue en ultra-temporalité, c'est un choc, tu ne peux pas imaginer. D'un coup, tu as le ciel, tu vois Isis qui déploie ses bras à Nibiru. Alors, en même temps, d'un coup, à la fin de cette visibilité, pendant l'événement ou juste après, le ciel, il se couvre de vaisseaux. Il se couvre littéralement. Et c'est sur Terre que le drame cosmique, à ce moment-là, peut se résoudre. Parce que tout le monde est là. Aussi bien intérieurement... que la contrepartie du rêve, qui elle était libre, qui vient
assister à cette alchimie et la vivre nécessairement. Ils vivent les trois jours de ténèbres. Donc, ils sont tous là, ils pensaient tous être là pour une fonction, bah, les dracos pour en bouffer, mais là c'est fini, on bouffe le Christ ou on bouffe rien, on bouffe le Père ou on bouffe rien, on bouffe l'autre, mais on le bouffe en esprit. D'ailleurs, Pépère l'avait dit de façon humoristique, vous vous rappelez pas? Ils vont avoir une drôle de surprise, les dracos, quand ils vont venir remplir les frigos, parce que vous êtes indigestes, vous êtes devenus lumière. C'est celui qui est mangé qui gagne. C'est-à-dire qui délivre l'information à celui qui mange. Or, comme le livre a été brûlé, et que le livre, non pas de ce monde, mais le livre blanc de Marie, c'est quoi? C'est simplement la mémoire. La mémoire, non pas seulement de Marie, on s'en fout de Marie. La mémoire de la création. Or ça, on ne pouvait pas le mettre dans un cerveau, il n'y a pas assez de place. Sauf si le cerveau de cette Marie, comme de toutes les Maries, fonctionne de façon inversée. Parce qu'étant inversé dans son cerveau, dans le nouveau monde, dans ce qu'il vit maintenant, il est à l'endroit. Et ça devait être masqué jusqu'au bout. Moi, je suis né dans une famille qui porte, si tu veux, le gène de la tribu de Ruben, qui était la plus proche du Christ à l'époque. Hein. Ce gène est inscrit chez ma mère, chez ma sœur, qui sont médiums aussi, bien sûr. Mais surtout, on a un handicap qui est une surdité familiale. Or, cette surdité, elle était indispensable. Sans ça, j'aurais reconnu des morceaux de musique tout de suite. Ben oui, c'est un codage vibratoire. Même en 440 Hz au lieu de 432, je l'aurais reconnu. Mais moi, les musiques, avant, ça me faisait ni chaud ni froid. J'écoutais même pas les paroles, j'écoutais pas la musique, ça me faisait un fond. Et au cabinet, bah, j'écoutais, quand une chanson que j'écoutais qui me plaisait une fois, elle passait pendant 2 ans. Et puis quand, effectivement, en même temps que vous, l'anomalie primaire a été ôtée, à ce moment-là, j'ai entendu, non pas plus le son ici, mais j'ai entendu le sens parce que je l'ai vécu. Et après, c'était affreusement facile. Dès que quelqu'un me parle, il emploie lui-même les mots de la chanson, comme toi avec les petits papiers. Tu me dis, il faut, je fais toujours des petits papiers, ben va écouter les petits papiers. Et c'est la vérité de ce que tu dis, il te raconte ta vie. Dans certains aspects, pas toute ta vie, mais dans certains aspects. Hein. Et ça c'est pareil pour tout le monde. Donc ce qui était avant, vous savez, la musique, la rêverie, le besoin de rêver, le besoin de s'échapper, est aujourd'hui ce qui vous réveille. La musique, l'image, le son, qui avant, comme l'avait dit Mahananda Damoli, vous vous rappelez en 2011 sur la notion de l'image, l'image qui nous rend captifs de la forme, hein, de la compréhension au travers de la forme et à travers le fait de nommer les choses plutôt que de les vivre. Or le cerveau maintenant il ne fonctionne plus du tout comme ça. Et le cerveau de Marie, il refonctionne à l'endroit, du coup. Et donc toute la mémoire de l'humanité y est. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est comme en informatique. Vous avez un cloud, comme Moïse d'ailleurs. Hein. C'est le premier à avoir utilisé le cloud pour se servir d'une tablette, quand même. Donc il y a de l'hérédité là-dedans, sur un sens cosmique. Donc qui, mieux que ceux qui étaient passés leur vie sur Internet à l'époque, vous vous rappelez, quand il y avait les noces célestes, où j'étais tout le temps sur mon ordinateur pour repérer les crop circles qui correspondaient aux noces célestes. Hein. Mais sauf que maintenant, on était piégés par la matrice, tous, sans exception, et maintenant la matrice, on l'a défaite de l'intérieur. Vous avez bien vu Facebook, quand il y a un truc comme ça qui se produit, vous savez, à l'époque, quand AD est né, avant les noces célestes, donc j'étais parti, peu importe, sur le mont Athos pour rencontrer le patriarche de Constantinople, et j'avais un ami qui travaillait à France Télécom, à haut niveau, et qui est classé secret défense. Et en rentrant de ce voyage où j'avais été invité par l'archevêque de Constantinople, il me dit, tu sais, ton site est sous surveillance. Il me dit, t'inquiète pas, c'est une surveillance normale. C'est-à-dire que dès que tu franchis un certain seuil d'intérêt collectif, bien évidemment, tu es sur écoute. Hein? Et à ce moment-là, il a fait lever l'écoute, ce qui a permis de mener complètement les noces célestes et d'arriver en 2012, de disparaître de la circulation et de rentrer dans mon intérieur et dans l'intérieur de ma relation avec Elo, tout en continuant comme les premiers chrétiens dans la cave, c'est-à-dire ici, sans que personne sache qui c'était, sauf ceux qui me connaissaient, hein, ça a été effectivement aussi très important. Donc,
Vous voyez, un événement, quand on le vit de façon dramatique, c'est ce que je disais à Sandra par rapport à ses problèmes familiaux, au début, on peste. Au début, on peste, c'est normal, on vous empêche de marcher. Mais ça a été indispensable. Ouais. Indispensable. Tous les uns comme les autres ici, qui sommes avec toi depuis des années, on a fait partie du... Enfin, du de ton... Oui, vous êtes ce qu'on appelle le premier cercle, comme il y avait du temps de Jésus, les 12 apôtres. Et les 12 apôtres, je vous rappelle qu'ils suivaient Jésus, ils ne comprenaient rien. Alors là, même Marie, elle ne comprenait rien à ce que faisait Jésus. Hein. Marie, faut pas... on la prend tous pour la mère divine qu'elle a été, mais depuis qu'elle est incarnée, elle a des vies les plus horribles qui soient. Bon, pas maintenant, parce qu'on est ensemble. Mais globalement, ce n'était pas des... Je n'ai pas dit parce qu'elle est avec moi, j'ai dit parce qu'on est ensemble. Oui. Notez bien la différence. Hein? C'est quand même une différence essentielle. Oui. Voilà, donc si tu veux, l'idolâtrie de Marie ne veut rien dire. C'est ça qu'il faut casser. J'étais partie avec l'histoire d'Internet. L'histoire d'Internet, c'est qu'effectivement, on est passé par Internet dès le début, parce que Abraham nous avait dit de passer par Internet, alors qu'on savait qu'Internet, c'était complètement diabolique, qu'on allait être repéré tout de suite et qu'on allait avoir des emmerdes. C'est évident. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en moi, j'ai jamais eu envie de... Aujourd'hui, ils ne peuvent plus broncher. Ah. Ah, d'ailleurs, vous rappelez le dernier 700, là, le ultime, post... Oui, je ne sais pas quoi, ultime 700, enfin, je ne sais plus, le dernier qu'on avait fait un soir. Oui, l'ultime. Ouais, eh bien, je l'avais expliqué, qu'ils essayent de toucher un cheveu de qui que ce soit de l'équipe. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein? J'ai donné la preuve qu'on maîtrisait les éléments totalement. Et on maîtrise les consciences, pas dans le sens de les, leur faire du mal, mais de leur montrer et de leur faire vivre. Comme on l'a fait à Turin, comme on l'a fait au Canada. Et ça, c'est pas du rêve, c'est la vérité. Bien sûr, ceux qui ne le vivent pas se disent, mais c'est quoi ces malades qui se prennent pour jouer sur les éléments, jouer sur les volcans Vous avez même des gens que je connais depuis fort longtemps, et qui me disent, ouais, mais alors quand tu fais ça, tu ne te rends pas compte, t'as un ego monumental, tu ne laisses pas les autres évoluer. Bon, ok, on n'a plus besoin de parler. Si tu me parles d'évolution, ça ne sert à rien. Il n'y en a pas. Donc d'emblée, vous voyez où se situent les gens. Ce n'est pas une question de se fâcher, mais il ne faut plus donner cours à tous ceux qui veulent vous emmener sur ces chemins-là. Je voulais juste dire par rapport aux images, justement, dans ce que tu viens de dire, et relaté dans le film Noé. Oui. Il y avait tous ces anges déchus qui étaient des gros amas de pierre. Ouais. Et dès qu'ils ont voulu aider l'humanité, on les tuait. Et dès qu'on les tuait, c'est une grande colonne de lumière qui exact. Repartait dans le ciel. Exact. Ça quand on dit que Michael, quand Steiner disait déjà à l'époque que les astéroïdes et météorites, c'est Michael, c'est évident. C'est réellement, concrètement, Michael. Ah oui, il est 13h03. Ah, on va manger. allez, à table.